Et tout le monde, c'est NTH, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 22e épisode de ce Let's Play sur Transport Fever 2. Donc, la dernière fois, on avait terminé notre ligne jusqu'à Plougastel-Laulas. Nos trains V200 avec les machines russes, là. D'ailleurs, elles sont très 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 jolies. Faut le dire quand même que ça, c'est un très joli travail. Et donc, aujourd'hui, j'ai du mode à vous présenter. Donc j'ai du mode fait par STF Modding, donc on a les Reels que j'ai déjà mis de toute façon, enfin donc ça je vais pas vous les présenter. J'ai aussi les Shims que j'ai en ma possession actuellement, il faudrait que je trouve une ligne pour le faire. L'avion marche, faut le dire, hein. L'avion marche, 41 sur 74, et au niveau de l'aéroport ici, l'avion marche, hein. 23 personnes qui attendent, 2. Donc... L'avion marche. Après la LGV, je sais pas si elle marche autant. Qu'en disent, mais qu'est-ce qu'ils en disent, mes TGV là? Il y en a aucun. Non, ça, c'en est pas un. Je regarde juste si j'ai pas fait une bêtise et que j'ai pas laissé un train à l'arrêt ici. Non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça en dit à 5 personnes? C'est pas énorme, hein. 5 personnes. Ouais, c'est pas fou. 2 personnes là. Ouais, c'est... les stats sont pas folles. Hein. 7 personnes. Mais je pense que ça va commencer à venir. Avec le temps, les rames vont commencer à se remplir. Ah là, celle-là est vide. D'accord. Donc, on a dit qu'on allait voir une ligne de fret pour tout simplement changer les wagons. Le plastique, faudrait le changer. Donc déjà on va mettre de la Trax à Kiem. On va remplacer l'Avectron. À moins qu'on laisse l'Avectron parce que j'ai déjà mis de la Trax. On va peut-être faire ça, on va peut-être laisser l'Avectron. À moins qu'on mette une Eurodual. Parce que j'ai téléchargé les Eurodual avec un pack un petit peu plus grand. Un Extend. Des Eurodual qu'on a en diesel et en électrique. Où je retrouve où il est. Trax. 7200. Non, je les utilise pas pour l'instant. Parce que je les utilise pas. Mais là, je suis à la roche. Ah bah, c'était juste là. On va mettre les SBB. On va mettre une SBB. Et en marchandise, pour du plastique. Donc on a un menu déroulant juste ici. On va mettre cela. On a combien de mètres? Ouais, on a faut prendre quoi. Ça a que 14 de capacité, donc on va peut-être doubler les trains. On va mettre des neutres après. Je sais pas du combien de mètres c'est. Où est-ce qu'il est mon... arrêt de pétrole là, ouais, c'est du 240 hein. Et j'ai pas de quoi grandir à cet endroit là hein. Et ben on va remplacer hein. Je refais du coup, je le refais, on se fait une composition, voilà, voilà, on a 192 mètres, on va mettre quelques neutres, 216 mètres, on va mettre on a dit une euro dual SBB, voilà, 238 mètres, on la remplace, on a beaucoup moins de capacité, mais regardez ça, regardez comment il se ferme. Ah, par contre le départ là malheureusement, ouais, on a le départ du train, les wagons sont pas encore fermés, c'est le seul petit hic, sinon le mode est juste ouf, vous avez vu l'ouverture. La qualité des wagons quand même, elle est exceptionnelle, je veux dire, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, faut le dire. C'est magnifique, franchement, GG à Steph Modding pour ce mode là. Ça met du français et c'est du bon mode, donc franchement merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pareil, les Reels qui sont là. STF Modding, pareil. Avec, je veux dire, la texture.
il y a encore du fret. Les Trax, STF Modding. Donc si vous voulez tout ce que j'ai là, donc les Reels, les Trax AKM, les Chims qui sont ici, vous vous rendez. Même les BB 79000 qui sont. Je sais pas où elle est. Oui, donc aussi les BB 79000, vous les retrouverez sur sa chaîne YouTube STF Modding. Je vous mettrai les liens des bots en description, je pense. Si je n'oublie pas, sinon allez voir STF Modding, STF espace MODDING pour tous les mods qu'il y a ici. Alors, on a remplacé, ça y est, notre train. On a dit qu'on devait en mettre un deuxième parce que c'était pas assez capacitaire par contre. Alors, on va en lancer un deuxième. Avec cette fois-ci, on va peut-être remettre de la Trax. Oh, par contre, toujours avec des chimps, hein, je préviens. Toujours avec des chimps, ouais. Ah non, ceux-là aussi, on a les Reels. Ah oui, les Reels qui seront aussi sur son site. J'ai failli oublier. Hop, on va se faire une petite composition. Ernewa. Voilà, faut pas qu'on prenne trop long. Parce que j'en aurais. On va enlever un comme ça. Voilà. Et c'est le train de fret plastique, on va dire. Raffiné pour plastique. Non, c'est pas ça. Si, ça doit être ça. Faut que je regarde. Train de fret raffiné pour plastique. Ouais, c'est celui-là, c'est bon. Alors là, la traque, ça se fait pas de bruit. On a des pertes de son des fois, ça arrive. Non, ça empêche pas hein, qu'on est vraiment sur de la qualité. Pareil au niveau de la 3D ici, hein, on voit bien que c'est du très bon travail. Donc toujours STF Modding, hein, ça change pas. Donc là tout fonctionne. On a du bouchon dans le coin quand même. Hein. On a du bouchon quand même, on a du bouchon. Cette rame là qui part, hein, c'est ça, ouais. Parce que là, normalement, je devrais. On va la mettre en pause. Histoire de faire partir. Non, l'autre fret. Parce qu'en fait, l'autre fret. Tout bloque tout là. Voilà, l'autre fret part. Ah, lui, il peut partir aussi, du coup. Tant on va te mettre. On attend deux voies libres. Avance pas trop quand même. Histoire de désengorger un petit peu le coin. Parce que là, c'est vraiment le bazar, on va dire. On a énormément de trains dans la gare, on a énormément de chassés croisés à gérer. Ok. Alors on a notre ligne V200 qu'on a fait depuis Fouarac et faudrait la raccorder. Ah, faudrait la raccorder. Non, faudrait faire une autre ligne au départ, soit de Fougastel-Laoula, soit au départ de Valenciennes. Non, on a notre tram à faire à Valenciennes avant. Ça, j'ai pas oublié ça. On a notre tram à faire au départ de Valenciennes et on va le faire tout de suite. Hop, on va mettre 30 mètres, voie de tram électrique. Ok, voilà. Ensuite, le tram va passer par l'artère principale de ce côté-ci. Un crochet juste ici. Ensuite, il va passer. En fait, on a ce côté-là qui n'est pas desservi si on fait ça. Donc je vais modifier le tracé, on va faire différemment. Non, voilà, doucement. Alors on a dit, ouais, on va le faire passer par là. Quitte à l'amener jusqu'ici. On va le faire passer là. Là. Là, ouais, voilà. Là, on dessert beaucoup plus. Ensuite ici, ici, là, 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 et là. Alors, on est rue, voie de tram, voilà, c'est ça que je dois faire. Ok, ok, ici,
Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre notre dépôt. On va le mettre ici. Et en trame, qu'est-ce qu'on a en trame? On a cela, mais qu'on a déjà mis. On pourrait mettre cela qui prennent 108 personnes. Ah ouais. On va mettre cela plutôt. On va en prendre 8. Hop. On va mettre sur une nouvelle ligne qui fait ça, 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 ça. Est-ce que j'ai bien mis le... Ah non, il manque quelque chose là. Ouais, il manque un truc. C'est... Il manque un truc ici. Ok, 5, 6. Sauvegarde automatique, on va attendre. Du coup, je pense que Valenciennes va être une très grande ville déjà qui s'est développée ici. Continuer à se développer, à mon avis. Hop, hop. Ici, ici. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, on est sur. Non, pas le dernier. On est sur le tram Valenciennes. Ok. On lance nos rames. Et donc là, on est pas mal déjà. On est pas mal du tout, du tout. En fait, les trams sont sympathiques. Hein. En bleu en plus, moi j'aime bien. Donc ça passe. Ils vont rester comme ça. Ok. Et vu que c'est capacitaire, je pense qu'on aura pas trop d'œil à acheter vite fait, à regarder. On est pas mal au niveau capacité. Valenciennes, où il y a du monde déjà. Où il y a du monde. Ouf, c'est chaud là. Bateau il fait des drifts. On a nos ride-jet là. On a notre V200 qui. Enfin, je sais pas si on a du 200 km/h sur cette ligne. Je me souviens plus. Pourquoi il. Pourquoi? Pardon. Il s'est arrêté pour quel motif là? Bah attendez là, deux secondes. J'ai pas compris là. D'accord. Bah s'il veut, à la limite, hein, s'il veut. S'il veut, s'il veut. Alors on a dit qu'on allait faire une deuxième ligne au départ de Valenciennes. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi. On peut pas faire passer ça par Nantes, on peut pas faire passer ça par Nantes déjà que le trafic est extrêmement chargé, on peut pas. On peut tout simplement pas, parce que ce serait irréaliste quoi. C'est déjà trop chargé à Nantes, il y a trop de trains. Il y a énormément de lignes. Je suis en train de réfléchir mais... Il y a trop de trains à Nantes. En plus j'ai créé une gare annexe là, que je peux pas me permettre de refaire une deuxième gare par là ou par là. C'est le réseau est trop grand ici à ce niveau là. Donc si on part de Valenciennes, on pourrait faire Valenciennes-Mulhouse. Mais au départ de quelle gare? Quel gars. Quelle voie. Là on a une voie qui est sympathique, très sympa celle-là. À côté des. Du hall de gare et dans la verrière là, elle est vraiment sympathique cette gare. Enfin, cette voie là. Je trouve ça super joli. Voilà. Faut pas tenir compte de ce qui a marqué là. Hein. Donc on a dit il fallait l'emmener à Mulhouse. On pourrait desservir Bayeux avec une voie externe, pourquoi pas. Ghana et Mulhouse, pourquoi pas en soi.
Qu'est-ce qui empêcherait ça? Rien du tout. On va se lancer là-dedans, je pense. On va se lancer là-dedans. Alors, j'ai pas mis la signalo, là, je vais le faire vite fait. Est-ce qu'on aura une ligne directe au départ de Valenciennes vers. Enfin. On va avoir une ligne directe depuis, on l'a dit. Soit Lille. Ouais, soit Lille. Ouais, mais non, pas Lille. Aubernais. On a la Ciotat qui pourrait être bien. La Ciotat, Valenciennes, Rouen. Ça fera une ligne transversale de toute la carte. Ouais, donc on va mettre un carré du coup. On va mettre un carré. Si je suis ma logique, on va mettre un carré ici. Ok. Des carrés partout, ici, là. Là. Ici aussi. Là, on peut faire ça, ça. Ok. Et là, ce qu'il m'aurait fallu, c'est qu'on tire sur du 160. Ok. Faire une bif à 120 par ici. Faire une bif à 120 par ici. Avec la même aiguille, juste là. Ok. Ok. Faire ça comme ça. Après, on passe sur du 140. On partirait sur une courbe à 140 ici. Ouais, on va juste être un chouille bas pour l'eau, je pense. Pour l'eau quand même. En plus ça va être un très très grand pont là à ce niveau là. Alors faudrait monter un petit peu. Non pas trop comme ça. Ouais quelque chose comme ça. Ouais non je vais juste refaire ça parce que je veux pas de tunnel. On va pas repasser dans un chemin directement. Parce qu'il faut quand même faire monter un petit peu la voie quoi. Là on serait bien là. Là on serait très très bien. Avec un pont du style viaduc devant Tabran. Ah non, mais encore un chouille bas quand même. Est-ce qu'on a prévu de faire du bateau ici? Je réfléchis les éventualités qu'on pourrait avoir pour du bateau à cet endroit-là. Ok, on va laisser le pont à cette hauteur là. On va le laisser à cette hauteur. On va le laisser à cette hauteur là. Et pourtant, je suis haut quand même, hein. Je suis quand même haut. Non, oula, qu'est-ce qu'il me fait? Suffit. Arrête. La ligne droite, elle est là. Elle est par ici, là. Ok. Alors là, faut voir comment je vais négocier
gare de Bayeux. Soit deux solutions s'offrent à moi. Soit ça se passe comme ça va se faire là, c'est je passe sous la gare et je desserre pas Bayeux. Ce qui pourrait être une très très bonne idée d'ailleurs. Ne pas desservir à Bayeux et aller directement à Gannat. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On ne desservira pas Bayeux. On ne desservira pas Bayeux. Ok. Donc on passe dessous. On a une grande ligne droite jusqu'à Valenciennes. On mettra du ZTR dessus. Donc on peut directement passer à 160 là, à ce niveau là je pense. Hop là ouais, au niveau de la ligne droite là, ça m'énerve bien. Ok. Là il me faudrait ressortir bah presque plat quoi. On a une bonne petite longueur en tunnel. Avec une légère courbe qui m'intéresse parce que ça va me permettre de faire une contre-courbe ici pour arriver en gare de Gannat. En plus on a un grand viaduc là. Oh le viaduc est très intéressant en plus. Et ça va être un viaduc comme celui-ci. Et il est vachement intéressant. Il me plaît beaucoup. On va peut-être le reculer un petit peu là. Voilà. L'enchaînement tunnel-viaduc me plaît énormément là sur ce passage-là. Oh ouais, là ça me plaît énormément. Là il me faudrait du plat. Ça. Un UM2Z terre, y a pas besoin de 240 mètres. Non. Y a pas besoin. Donc, ça on va virer ce bout de route là. On va juste faire ça. Ah, je tenais à préciser aussi que Z terre, STF modding. Enfin, c'est sur la base de Nacron. Mais il a refait des modifs dessus. Et donc si vous voulez le mod, il est toujours sur sa chaîne YouTube STF Modding. J'arrive pas à tracer ma route. Voilà. Ok. Donc j'ai sur la chaîne de STF Modding, il a fait la modification des sons. Il a refait un chouille la texture, je crois. Ouais, je crois, ouais, il a refait un chouille la texture. Est-ce qu'on n'irait pas desservir Domont? Non, on n'ira pas desservir Domont. Là, on va faire une portion à 200 km/h. Hop, voilà, une route un peu plus droite. À partir de cette gare là, on va faire une portion à 200 km/h, on va faire une ligne droite encore. Elle sera très linéaire hein, cette ligne. Il faudrait que j'aille rejoindre la gare par là-bas, ce serait l'idéal. Ouais, si j'aplatis pas, ça me fait un truc moche quand même. Une grande courbe pour repasser sur on va faire une légère montée, enfin, on va laisser le jeu faire. Par contre je ne veux pas de, ça peut être intéressant mais je vais modifier ça. Donc on va terraformer tout de suite après. Ça peut être très très intéressant si c'est bien géré. Faire ce que je veux à cet endroit là.
Voilà, c'est à peu près comme je voulais. Je dis bien à peu près. Parce que c'est pas. Ouais, si, on est pas mal. On est pas mal. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais juste à côté, on a une rue. Là, s'il pouvait me faire. Pas deux piliers. Il veut pas me faire deux piliers. Ah, il y avait un 4 là, du coup, qui, deux piliers, il refuse totalement. En soi, là, on a 4 piliers. On va juste la mettre un petit peu de biais. J'ai ce que je veux, c'est-à-dire le pont au niveau de cette montagne qui fait plutôt le joint. Du coup, on va créer notre bif juste à ce niveau-là. Ça en supprime. Et on va supprimer celui-ci aussi. Allez. Ok. Nickel. Donc, on va mettre sur pause parce que sinon ça va dérégler tout le trafic. Donc, on va faire une bif à 120 km/h directement à ce niveau-là. Alors, est-ce que le jeu va bien vouloir? C'est ça la question. C'est que le jeu, des fois, il nous fait des trucs pas beaux. Ce que je voudrais, c'est arrête tes bêtises déjà. Ah, le problème c'est qu'on est en pleine montée là. Ouais, à la limite je peux la faire un peu plus loin. Ce serait par là, là. L'idéal serait par là. Ok, bah une bif à 120, c'est parfait. Histoire d'entrer en vitesse quand même sur la ligne principale là. Hop, carré ici. Carré là, carré là. Sens unique, sens unique et sens unique. Ok, on a notre bif qui est faite. Ensuite ces routes, je pense, si ça ne passe pas, elles vont gêner. 140 déjà. Comment ça, ça veut pas faire ce que je veux là? En fait, j'aimerais une ligne droite, ok, jusque là. Jusque là, à cette partie là aussi. Là, on passerait à 120. Ok, là, ça me plaît. Très bien. Ouais, franchement, c'est bon. C'est nickel. On n'a plus qu'à mettre la signalisation sur la ligne. On va peut-être refaire ça ici, là, par contre. On va passer par ici, là, pour refaire ici, là. Ouais, légère courbe vers la droite, puis contre-courbe, pourquoi pas, j'aime bien l'idée. Voilà, une portion à 160 et puis à 140. Ok. Donc on va se mettre un canton là.
au niveau du pont. Un ici. Ok, on peut le mettre au niveau de la gare. Ok. Un ici et un ici. Un là et un là. Un là et un là. L'annonce du ralent 60. Ah non, non, il n'y a pas d'annonce du tout. On est sur une arrivée à 120, il n'y aura pas d'annonce là, ce sera un carré. Un carré ici. Un carré ici. Voilà. Sens unique. Et sens unique. Très bien. Donc on n'a plus qu'à créer notre ligne qui est la ligne Valenciennes-Mulhouse. Valenciennes qui dessert Ghana, on va la mettre en rose. Ghana-Mulhouse. Ok, très bien. Ça le fait tout seul. On redessert Ghana et on est sur le train Valenciennes-Mulhouse. Il n'y a pas. Alors, comment ça gère ici? Ouais, ça gère comme jeu, c'est-à-dire ça va sur cette voie-là. Ok. Il va falloir qu'on se fasse un dépôt à Valenciennes. Il va falloir trouver où le faire et faire un très grand dépôt à Valenciennes. Je le ferai bien de ce côté-là, ici, là. Et là, on va lancer notre train à Mulhouse si on a un dépôt. Ouais, on a ce dépôt-là. Donc, unité multiple électrique. On a dit les ZTR en UM. On va se mettre 2 RAM et 2 RAM comme celle-ci. Quoi? Attendez. 1, 2. Ah ouais. Ouais, voilà, on va se mettre comme ça, on va être bien. Donc on est sur le train Valenciennes-Mulhouse. Ah non, j'ai pas mis x3 quand même. Allez. J'espère que j'ai pas mis x3 parce que sinon je vais me taper sur les doigts. Ah, on entend le son vraiment bien fait des ZTR. Ils ont un travail de qualité. Ah, là, un UM3, c'est pas bon. J'ai dit tout ça. Oh, je suis bête. Je suis trop bête. Je suis stupide. Oui, parce qu'ils sont déjà en UM, faut pas que je clique deux fois. Là, faut juste que je clique une fois. Voilà, c'est mieux. C'est remplacé. Et donc les ZTR là... Ah, on aurait pu avoir une belle image là. Dommage que je me sois raté, on aurait eu la 75 000 avec. Et Mulhouse, on a du monde. Hein. 531 personnes pour ce train là qui n'a que 5 voitures, je le rappelle. Non, 6, ouais, non, 5. C'est bien ça, 5 voitures. Hop, voilà, on a juste un tout petit défaut de peinture sur la porte avant. De souvenir, elles sont bleues, elles ne sont pas grises. Ouais, elles sont bleues. Hein. Mais c'est comme. Elle avait sa petite spécificité la rame, donc c'est très sympathique aussi. Hein. C'est très très bien. Et là on a du châssis croisé dans tous les sens. C'est sympathique. On va faire un tour en cabine. Est-ce qu'on a une cabine? Ah ouais. On est un peu plus proche du rail là. On est à 21 664. Ok, donc là c'est juste des voies à 120 ou à 140, je sais plus. 120. Ouais non, c'est 140. Et voilà, 140, on prend la biche juste ici. Et on part en direction de Ghana. Ah, la vue intérieure. La vue intérieure, c'est très sportiveur, hein, mais ça mérite de saluer, franchement, la vue intérieure, sympathique. Après, on va prendre toutes les voitures.
courbe là. Bon, elle aurait pu être à refaire. Ah, le passage au niveau par contre a été vraiment pas beau. On modifiera ça plus tard. Et là, la petite accélération. Je vais essayer de prendre ma miniature dans ce coin là. Ouais, faudrait que j'arrive à prendre ma miniature dans ce coin là. Genre ici là. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais la prendre par ici. Et hop! Et voilà! Presque les 200 km/h, mais c'est pas grave, au moins on a une bonne vitesse sur cette ligne. Franchement, c'est cool. On a pu mettre nos ZTR et ça, c'est vraiment vachement sympathique quand même. Donc là, on a la livrée Bretagne. Si je me trompe pas, oui, c'est la livrée Bretagne. Donc, ouais, Braise, c'est bien la livrée Bretagne. Donc, on a la livrée Bretagne et on a la livrée PDL, Pays de la Loire. On doit avoir la région centre aussi, mais pas en UM. On doit avoir la région centre, la neutre, on va dire. En livrée bleue comme ça, sans rien. On va finir notre petit tour et puis on va se laisser là-dessus, écoutez. Sur le fameux viaduc. Ça ramait en x3, hein. Ça doit être désagréable quand même. Ah, même en x2 ça lag. C'est que la map commence à être vraiment chargée. Et je voulais voir si le numéro de son c'était 21700. Ah non, 21500. C'est pas 21700 le pays de la Loire. Je me souviens plus. Bon bref, c'est pas grave, c'est juste un petit détail. Ça ne change rien au mode, il est quand même exceptionnel. On n'a pas un aussi beau point de vue que sur... que dans la tranchée tout à l'heure. Même si on a la mer, c'est vrai, mais... on n'a pas un aussi beau point de vue, je trouve. Et là, notre V200 qui part pour Fougastel. Provenance de Foirac. Avec des gens dedans, hein, avec des gens. La petite réduction de vitesse là avant d'entrer en Valenciennes. On va passer en vitesse réelle, voir ce que ça donne. À l'arrivée en gare de Valenciennes, quand même sympathique. Hein. Petite réduction de vitesse, même si il n'y a personne là sur le film, on risque pas de croiser grand monde. Là juste en dessous de la gare, ça franchement c'est un très bon mode de la gare, très 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 bon mode. Et voilà notre rame en gare de Valenciennes. On va peut-être faire un screen ici.
Hop. Un de ce côté. Un de l'autre côté. Ouais, ça me va bien moi comme ça. Incluant un autre homme qui passe sous la gare. Ça c'est vachement cool par contre. Ça je suis vachement fan du tram qui passe comme ça là. Ça c'est un mode qui a été très bien pensé. Et on repart avec combien de personnes? 68 personnes. Ouais bon, en même temps c'est le premier tour. C'est un petit peu normal, les trains se suivent. Ouais, ils sont tous partis. Ah non, on a encore celui-là qui est en gare. Ouais, ça va se répartir plutôt bien. Ça va se répartir plutôt bien. Bon, et bien c'est tout pour cet épisode 22. Donc on va se laisser là. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.